Et tu finis par le mec. Je vais commencer par le mec. Tu veux recommencer avec le mec? Voilà. Et t'as la mission 3. Hein. Ah, ok. Bonjour les agents. Beau travail. Vous avez découvert le nom de code de notre tueur, Cypher. Des recherches sur le Dark Web révèlent qu'un industriel véreux du nom de Jib Renning a engagé Cypher pour l'assassinat numérique de plusieurs concurrents. La liste des cibles doit être transmise à Cypher pendant le trajet en train de Renning. Votre mission aujourd'hui est de prendre ce train, d'identifier Jib Renning parmi les voyageurs et d'intercepter la liste des cibles. Bon courage. D'accord. Ce message s'auto-détruira. Ouais. Son d'un coup là. Ah. Bien. Vous êtes entré dans le réseau du train. Maintenant, trouvez Jib Renning et aidez votre partenaire. Dans le train et toi t'es assis sur le quai. Ouais. Attends, localiser, pirater Jib Renning, je sais pas quoi. Là, j'ai ouvert les portes. Profil crypté. Appuyez sur eux pour pirater le profil. J'ai ouvert toutes les portes, au moins comme ça c'est fait. Chasseur de mots de passe. Attends de le voir attendre cette tentative de votre partenaire pour identifier la clé. Pour identifier des personnes, j'ai besoin d'un chasseur de mots de passe. Bah, je l'ai, mais... C'est un binaire en plus. On attend de la première tentative de votre partenaire, donc écoute... Voilà. Ah. Deux chiffres corrects et deux chiffres erronés. Deux chiffres corrects et deux chiffres corrects dans la mauvaise position. Bon bah c'est ça là. T'en changes deux. Ah c'est toujours pareil, deux chiffres corrects et deux mauvaises positions. Ah non, je suis con, attends. Hop, on va essayer ça. Tapez là. Ouais. C'est pareil. Quatre chiffres corrects dans la mauvaise position. Deux chiffres corrects et deux mauvaises positions. Tu fous de ma gueule? Bah ouais, je peux bien. Voilà. Chiffre correct. Et non, je mauvaise cible. Parfait. Et c'est qui que je dois chercher en fait? Bah je sais pas, moi j'ai rien de spécial. Ok, il est piraté Jib Renning. Jib Renning. J'ai dit c'est qui hein. Alors j'ai. Brenning. Ouais. Ah ouais, Brenning d'accord. Je peux pas rechercher un nom moi si je crois. Au moins 3-4 wagons à fouiller hein, avec des gens partout. Il s'appelle Brenning Jacobus. Jacobus, donc c'est un mec. Ouais. Mis dans le métro 1, métro rail premium, jeu AR, bouge ton corps, what the fuck. J'ai son IP. Je suis dans le wagon 1. je sais pas où il est. Ah non, il est dans le wagon 2. Ok, bah c'est à côté. Voilà où t'étais de base, je crois. Non, il y en a 3, j'ai passé 2 wagons direct. Ah d'accord. Il y a Jacobus. Et je trouve que c'est lui qui est en. Il bouge ton corps, je crois, il joue un jeu, donc ça va être le mec qui danse, je sais pas quoi. Ah ouais, bah... C'est peut-être lui, alors. Je vois un qui danse derrière toi. Bah moi, je suis en train d'analyser. Moi, t'es sur quelqu'un d'autre, là. Ah bon? Ouais. Derrière toi, il y en a un autre, mais bon, je... Bah, derrière moi, il y a personne. Il y en a qui danse. Moi, je suis devant le mec qui danse, là. Ah d'accord, on n'a pas la même vision. Bah ouais, parce que... Alors... Trois chiffres corrects et un erroné.
Deux chiffres corrects et deux chiffres mauvaise position. Pareil, deux corrects et deux mauvaises positions. Oh, je fais ça à tâtons, hein, du coup. Quatre chiffres ouais. Corrects, c'est la mauvaise cible. Ah, bah, c'est cible. Pas lui. Ah, t'as eu Abdallah, je sais pas quoi. Ouais. Je vois un mec, il tapote sur son clavier dans son truc virtuel là. Ah, si, c'est celui-là, vas-y. Ah, bah. Pour moi, j'appelle ça danser, moi, mais. Il fait juste bouger ses doigts, hein, moi. Ah, ouais, c'est. Comme s'il tapotait sur un clavier. C'est. Il danse pas. Hop. C'est pas vraiment sur la même chose que moi. Incorrect et trop mauvais. Incorrect et trop mauvais, putain. Ouais. Bah alors, hop. Deux corrects et deux mauvaises positions. Deux corrects et deux mauvaises positions. Pareil, encore une fois. Et bah voilà, c'est ça du coup. Chief Junior Plague. T'en fous, tu repasses à la caméra en vrai. Bah t'es où? Bah vas-y, avance. Non, derrière. Voilà, droite, t'as pas quelqu'un à droite là? Mec qui attend de sortir. Ouais. Avec ses cheveux Super Saiyan là, même s'il est pas blond. Ouais, c'est, on voit pas les mêmes choses en fait, c'est... Incorrect et trop mauvais. Incorrect et trop mauvais. Bah, du coup, il y a 3-1 et 1-0. Ah, du pas premier correct. Coup. Ah non, c'est Luan. Je t'avoue et là, Jacobus, une meuf. J'avoue qu'à part le truc qui s'appelle le jeu AR, tes applications et bouge ton corps, y'a rien de. Moi aussi je peux jouer des jeux. Ah ouais. Bah dès que je m'assois sur un siège, ça me fait un truc. Enfin ça le fait automatiquement. C'est un truc de cliqueur, tu cliques et ça tue le monstre, mais je clique pas. Ça le fait automatiquement. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs brainings, mais je pense pas. Hein. Non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Il va dans le wagon 2 en plus ça peut. T'as pas un truc d'IP toi? Non, j'ai rien. Bah, c'est tu dois faire tout pif alors, je suppose. C'est un mec ça? Alors, je vais essayer. Je peux pas faire grand chose. Hein. Faut chercher. T'as pas un message personnalisé. Incorrect et trop mauvais. Deux corrects et deux mauvaises positions. Ah, non. Caleb. Lui, je veux essayer lui. Avec sa capuche là. Trois chiffres corrects et un mauvais. Deux chiffres corrects et deux mauvaises positions. T'as juste à me le dire, au final je vais le trouver en faisant pareil, des encore deux corrects et deux. Voilà. Quatre. Jacobus Brunning. Voilà, c'est piraté. Il avait une capuche. Vous pouvez maintenant espionner les échanges entre Brunning et Cypher afin de trouver la mule qui d'accord. Porte la liste des cibles. Alors, salut Cypher, je suis dans le train, tout est prêt, tu as mis en place une mule pour notre transaction, oui j'ai piraté un voyageur au hasard, la liste des cibles est maintenant stockée sur le système de cette personne, téléchargez-la quand tu es prêt, encore j'attends une zone, réseau plus sûr, quelle est la récipé de la mule, récipé dans ce fichier, je prends le fichier, d'accord. En termes de votre partenaire. Par quoi ? Ah, accepter l'aide au décryptage. Ouh, good là, c'est quoi ça, je comprends pas. Ah, aider, merde. Je passe quoi ? Ah, va en haut ? Ouais, toi tu peux... Non, moi je peux pas aller en haut. Bah, tu peux pas, c'est moi ? Bah, je sais pas, on dirait. Ah oui, d'accord. Bah, je peux faire droite-gauche seulement. Non, c'est W... Ah ouais, non... Ah, faut aller en bas, là. En bas ? Au cercle bleu. Ouais. D'accord, j'ai pas vu. Ah,
desktop. Ah mais t'inquiète. Ah tu vois. Ouais, ouais je vois. Oula. Oh y'a un truc, ah le contour ça compte. Ça c'est pas compliqué pour l'instant. Le dernier ça va être un truc de malade hein. ça devient là par contre c'est what the fuck. Il faut rentrer dans les petits trous. Vous montez. Oh putain j'ai pas eu le temps. Voilà. Ouf. Voilà. Il a fait tout le succès. On a l'IP. D'accord. Il est dans le wagon 4. T'as ça toi? Ouais. Bah dans Go 4. Hein. Et je vais laisser mes messages aussi. Ah oui c'est écrit dans mon fait. Et dans le wagon 4. Je crois pas que je peux t'aider pour quoi que ce soit, je crois. Attends, non, non, je crois pas. Ouais, la mule pour accéder à la liste de cible là. Cypher. Quel incipit de la mule? Tu as mis en place une mule. Ça pourrait être. Ouais, c'est bon. Je vais tenter lui. Ah, si je peux savoir, attends. Merde, non, je voulais pas faire ça. Ouais. 140, 186, 127. Alors c'est une meuf, elle s'appelle le Kiko Kilobo Mia. En wagon 4 bien sûr. Kiké. Ouais Kiko Mia elle s'appelle. Mia. Ouais. Deux corrects et deux mauvais. Quatre corrects dans mauvaise position. Deux corrects et deux mauvaises positions. Quatre corrects. Violette. Botta. Y'en a des meufs hein, franchement. Tu prends quelqu'un de louche hein, c'est bon. Bah j'en vois pas de... Ah si, attends. J'en vois une avec une capuche là. Mais une autre, ouais, une autre avec une capuche. Il est moins louche quand même que l'autre hein. L'autre il regardait, il avait le regard évasif. Bon c'est pas grave ça. Deux corrects et deux erronés. Deux corrects et deux mauvaises positions. Pareil. Ah. Ah merde. Encore pareil. Encore pareil. Ah merde. C'est pas ça du coup. Bah non. Encore pareil. Quatre chiffres corrects dans la mauvaise position. Quatre corrects. Bah c'est encore violette. Il y a plusieurs violettes. Ouais mais c'était pas le même nom.
Je vais essayer ce qui est au bout là, je l'avais pas fait ça. Si ouais, je non, si je l'avais fait, je crois. Je crois que je l'ai déjà fait, mais on va voir ici. Deux corrects et deux erronés. 4 corrects dans mauvaise position. Non. Emily précise. Eh oui. Tu peux pas savoir ce qu'ils ont comme application sur leur téléphone. Bah non, je vois pas sur Twitter ma... pote. Je sais pas pourquoi ils mettent ça comme info là. Trois corrects, un érodé. Deux corrects et deux mauvaises positions. Ah. Ah, Donio. Donio. Faire toutes les meufs au pire. Bah, soit plus vite. Hein. Incorrect et 3-0 nés. Deux corrects et deux mauvaises positions. Et 4 Libyen. À la rousse. J'ai fait arrêter 3-0 nés. Deux chiffres arrêtés, deux mauvaises positions. Encore pareil. Voilà. Diesel toi. Y'a deux afro blocs là. Non, en vrai, elle, ça m'étonnerait. Son nom de famille elle... c'est Kikelomo. Hein. Je sais pas, c'est... je sais même pas si c'est japonais ou un truc comme une connerie dans le genre. Non, je sais pas. Deux corrects et deux erronés. Ouf. Pas Jara. Ah, allez, run là! Ah, je suis correct, t'es trop zéroné. Deux corrects et deux mauvaises positions. Merde, attends. Trois corrects et un mauvais chiffre. Deux chiffres corrects et deux mauvaises positions. Ils sont de mauvaise position. Voilà, oui, bis. Deux corrects, deux erronés. Deux corrects et deux mauvaises positions. Et voilà, Myriam. Ah, c'est plus beaucoup de choix après, hein, au bout d'un moment. Il y a encore deux afros et une meuf là à côté d'un bloc, mais ça m'étonnerait quoi. Deux chiffres qui auraient été deux erronés. Deux chiffres qui auraient été deux mauvaises positions. Pareil, deux mauvaises positions.
Statut correct dans la mauvaise position. Zara. Il reste plus que deux. Dans la dernière, je crois. À part si il y a une meuf travestie et que j'ai pas. Ah, peut-être. 3 chics corrects et 1 ironé. Voilà, Charlize. Bon bah toi. Deux corrects et deux erronés. Ah. C'était vraiment elle en plus. La grosse pute. J'ai plein de publications à dégager moi. Ah, pareil, un petit paquet là. Ah putain, c'est un enculé. Ah putain, il est désolé. Oh putain, il y en a encore plus. Attends. Faut appeler un numéro pour le virus, ça c'est écrit sur système. Ouais. Personne, non? Peut-être, je sais pas. J'ai même détecté une tentative de connexion sur la mule. Alors je l'ai pris un méchant virus pour faire peur aux autres. Ouais. Je sais pas si vous pouvez faire ça en boucle et fermer ou. Bah moi je suis pas assez rapide hein, dans tous les cas. Plus à chaque fois que t'essayes d'aller vite, ils en rajoutent plein d'un coup. Ouais. Ouais, ça c'est du wow. En tout cas, je peux même plus bouger hein, tant que j'ai les trucs. Ouais. Je suis quand même malade. Des fois, ça veut pas fermer alors que je clique dessus. J'arrive pas à voir celle-là derrière, c'est une unité de bon. Le fichier ça. Ah. Y'a plus une technique parce que ça arrive de faire ça en boucle, je crois. Hein. Bah ouais, on dirait, mais moi je peux rien faire. Hein. C'est que moi, c'est que 20% votre partenaire, je peux rien du tout pour toi. 20% moins? Ah non, c'est les pubs, ils se mettent au fur et à mesure, d'accord. Ah, faut nettoyer le même virus en même temps, faut prendre les mêmes trucs. Ah bah dis-moi. Attends, faut attendre que tes virus se remettent. Voilà, on peut enlever la meuf là. Tout ce qui est une meuf. Ouais, il me make 3200, je sais pas quoi là. Ouais, c'est bon. Ah mais ça revient. Ah, bizarre. Attends, bon, on enlève la meuf. Celle de droite en premier. Je sais pas, tant que c'est la meuf, c'est bon. Ah, tu fais pas en même temps que moi, c'est pour ça. Mais plus de temps. Bah, je sais pas moi. Allez, dépêche-toi d'enlever toutes les meufs en 2 secondes. Hein. C'est pas rapide. Voilà, faut se dépêcher. Maintenant, on peut enlever les lunettes. C'est fait. Ouais, maintenant la dernière, c'est les affiches warning. Oh. Ouais, c'est dépêché. Eh bien, ils ont vraiment tout fait pour protéger la mule des intrusions. Essayez encore, mais soyez prudents. Putain, faut encore essayer. Let's go. Oh, alors, il y a de la mule d'attention wagon 2 là. Vous perdez. Ramène tes fesses dans le wagon 4 tout de suite. Il y en a qui bougent dans le wagon 4, je sais pas s'il faut te t'aider ou. Et je suis assis, je joue un jeu. D'accord, parfait. Ah, je te vois passer là. Et c'est pas plus.
putain. Brenning est sur le point de sortir. C'est votre dernière chance de récupérer la liste des cibles avant que Cypher ne la télécharge. Non, il y a personne, il y a écrit. De toute façon, c'est mon arrêt, je descends. Faut se dépêcher de... bloquer, je crois. La meuf. Ouais. Non, le mec qui est parti, je crois. Je sais pas. Je peux pas partir. Non, la meuf. La meuf. Du coup, ouais. Allez, là. J'ai pas téléchargé la liste des cibles maintenant, une minute avant le début du téléchargement. Vas-y. Deux corrects et deux erronés. Deux mauvaises positions. 4 mauvaises positions. Ok, c'est bon là. C'est piraté, Mila. Voilà. C'est fait. Liste des cibles. Intercepter le transfert de la liste des cibles. On l'a fait, hein. Run. Ah, c'est toi qui le fait de mon côté avec le... voilà quoi. Ouais. Bien joué. Je viens de recevoir le transfert de la liste des cibles. C'est le moment de rentrer. Là, on les a baisés. Ouais, il y a quelqu'un dans le train qui te suivait. On va te faire voir, Brenning, putain, c'est... Et merde. Ouais. Alors, il y a un peu vite, quand même. Le train a été piraté par Cypher, et il accélère hors de tout contrôle. Vous devez l'arrêter. Tu es le frein d'urgence. Oui, un opérateur au moteur. Aussi le frein de. Oh, tu dois aller tout au moteur là-bas au fond. À côté du wagon. Hein. Mais je crois que je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Et donc, on verra bien là-bas. Aidez-moi les gens, on est en danger. On est en danger de mort, les gens. T'as 4 minutes 40. Accès au moteur est interdit au. Une fois chargé, ce plugin vous permet de visualiser le réseau électrique. Une machette en série. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois des trucs en dessous là, attends. Tu vois quoi? Que je suis le câble. Et je te donne un chiffre, un truc à 4 chiffres. Ouais, une référence, ouais. Ouais. CVG? CVG, ouais. C'est ouvert, on porte des moteurs. Instruction en tant que. Utiliser 6 modules de refroidissement pour stabiliser la température du moteur et débloquer le frein d'urgence. Faut que tu me dises module de refroidissement, batterie de. Faut que je te dise quoi? Il y a un compensateur latéral, il y a une batterie de sauvegarde et un régulateur de charge. Pour retourner là. Il faut des nombres de connecteurs, il me faut le composant qu'il y a dedans, l'oxyde de nickel, du carbonate, tout ça. Ah ouais, moi sans verrouiller les trucs. Il me faut une idée. Module de refroidissement verrouillé. Ah, pour faire fonctionner les modules de refroidissement, l'opérateur doit d'abord les déverrouiller. Faites pivoter les leviers dans la position indiquée. Ah, vas-y. Le levier de droite, c'est en haut et en bas, c'est vertical. Ouais. Et lui de gauche, en diagonale. En bas. La gauche en bas, là. Ça va vers la droite en haut. Vers la droite en haut. Bah, c'est bon. C'est bon. Voilà. Quand on pense à te l'intérêt, leur tension. Il faut du connecteur. Batterie de sauvegarde. Ah, fait une pour le composant. Composé oxyde de nickel. Ouais, nickel. C'était dans l'ordre réactif vert. Vert. Rouge. Rouge. Vert. Vert. Bleu. 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 Rouge. Instable. Ouvrir le kit de stabilisation. Ça fait du composé. Il y a quoi, saturé, acide.
Résidu. Résidu. Ajoutez une goutte de stabilisant. Attendez 2 secondes, puis rajoutez une deuxième goutte. C'est bon. Alors t'étais au bleu, je crois. Ouais, j'ai refait le bleu du coup. Rouge, vert. Rouge. Et vert. Appliqué. Voilà, c'est bon. On a gagné du temps. Heureusement. Après, tu me dis ce que tu fais. Compensateur latéral. Il me faut le nombre de connecteurs. Le nombre, il y en a 5. Alors, si le quatrième connecteur est noir, activez le connecteur bleu. Il y a... Non. S'il y a plus d'un connecteur vert et qu'il y a un seul connecteur rouge, activez le premier connecteur vert. Il n'y a pas de connecteur rouge. Il y a pas de... S'il n'y a pas de connecteur noir, activez le deuxième connecteur. Activez le deuxième. Sinon, activez le cinquième. Du coup, c'est, bah, c'est bon, le deuxième, c'est bon. Y'a pas un truc dans l'ordre. Enfin, moi j'ai 3 trucs verts et un truc bleu, non, un truc blanc. Si t'as pas de connecteur noir, activez le deuxième connecteur, c'est tout. Ah, je peux pas appliquer, ça fait rien du tout. Putain. Après, sinon, activez le cinquième connecteur. Placez le curseur à mi-chemin pour le bleu. En suivant la couleur du connecteur activé, définissez. Placez le curseur aux 3/4. Ouais. Pas. Là, je peux pas trop t'aider. Hein. Et là, c'est quoi ça? Ah! Ah putain! Pour le vert, placez le curseur aux 3/4. Ça à peu près. Voilà. Ah voilà. Ouais. Là, c'est l'instruction 2, j'avais pas compris. Régulateur de charge. Une bonne idée. 2278. 2278. Alors, combien de voyants allumés? Oula, 2. Alors, ils sont quoi? Ils sont en bas, ils sont en haut? À droite. Alors, les deux à droite. Ils sont allumés, ils sont sur la droite. Utilisez une charge totale égale à moins 3. Moins 3 alors. Ouais. Je fais moins 5 et 2. Ok. C'est bon. Voilà. Fonctionnement, consultez la console LRR. Console LRR, le numéro d'erreur. Ah, c'est ça. Console, ouais. Erreur 5440. On va rentrer. Utilisez cette clé. Alors, c'est un 9. Ouais, mais je peux pas ouvrir des trucs de clé. Attends, débloquer. Voilà. Ouais. C'est un 9. Et il y a un pied avec un demi-triangle. Moins triangle si tu veux. Ah, il y en a plein qui ont des deux. En fait, t'as des petits triangles. En fait, t'as 3 petits triangles et 3 grands triangles. Ah, c'est un 9 où le 9, le bas du 9 il va très loin. La queue du 9, elle va très loin. Et il y a un pied quoi, un pied comme un bonhomme quoi. Un gros pied ou un petit pied? Bah, moi je le vois comme un gros, la moitié du. Ok, moi je vais prendre un gros, on verra. Je sais pas ce que t'as fait le petit. Ça charge un truc, attends. Petit, c'est vraiment petit. Voilà. C'est ah bon. Ouais, parce que j'ai pas le petit, je peux pas voir. Régulateur de charge encore. Encore ? Il y a trois voyants allumés. Celui qui est pas allumé, c'est en bas. C'est quoi déjà l'idée ? 40-03. Alors, 3 voyants allumés ? Ouais. Et celui en bas à droite, il est pas allumé. Utiliser une charge totale égale à moins 4. Moins 4. C'est bon ou pas? Ouais. J'ai l'impression. J'ai pas vu le truc changer. Compensateur latéral encore. Alors, on a pas encore le nombre de connecteurs. 1, 2, 3, 6. On a 6. Il n'y a pas de connecteur vert. Activez le troisième connecteur. S'il y a au moins 2 connecteurs blancs, activez le quatrième. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a un quoi. S'il n'y a pas de connecteur rouge, activez le premier connecteur bleu. Il y a un rouge. Le premier connecteur bleu du coup. Il y a un rouge. Le premier connecteur bleu. Ah non, s'il n'y a pas de rouge, ouais non. Sinon, activez le sixième.
Ah, le noir. Alors, le noir, placez le curseur à 95%. Voilà. Et batterie de sauvetage encore une fois, une dernière. Ah, oh, c'est encore. Combien de... Il y a quoi comme dedans comme, Ions de lithium. Let's go. Alors, rouge. Ouais. Bleu. Bleu. Vert. Vert. Rouge. Ah. Le rouge, on le garde pour plus tard. Statut de composé non dilué. Non dilué. Ajoutez 3 gouttes de stabilisant en 1 seconde. C'est fait. Alors rouge, du coup, tu m'avais dit. Rouge, tu l'as pas fait, ouais. Ouais, je l'ai fait, mais là, je l'ai fait. Rouge. Encore une deuxième fois. Ah, il y a deux rouges. Ok. Et après, bleu-vert. Bleu-vert. Appliqué. Bon, maintenant je peux faire les freins d'urgence. Bah, je trouve ça moins voilà. Je prends, faut que j'appuie aussi. Ouais, bon, on bourrine et puis ça ouais, passe. Ouais. Il y a aussi l'enfant, mais je crois. Ouais. Ah, il nous a identifié. Mon dieu. Oh, j'ai bien aimé Dead Note Prince, ça va.